fais cette vidéo pour te montrer comment le Seigneur m'a amené au-delà du rideau du temps. Mais avant de t'expliquer comment ça s'est passé, je vais te chanter avec mon épouse le cantique qu'elle a retenu au moment où j'étais dans la visitation au-delà du rideau du temps. Je crois qu'on peut chanter ça. Ça sera une grande joie quand nous serons dans ce temple. Ça sera une grande joie quand nous serons dans ce temple. Nous allons le couronner, nous allons le couronner, nous allons le couronner, nous allons le couronner. Amen. Amen. Donc la sœur Dina, ce jour-là, c'était un soir. J'étais allongé à côté de mon épouse et je vois soudain un ange. Mon épouse ne voyait pas l'ange. Je pensais qu'elle aussi voyait, mais elle ne voyait pas. Alors, l'ange m'a dit, « Veux-tu voir ce qu'il y a au-delà du rideau du temps ?» Alors, j'ai vu que c'était la même question qui avait été posée au prophète. Alors, j'ai donné la même réponse. J'ai dit, « Cela m'aiderait, Seigneur. » Alors, il m'a tenu par la main. Dès qu'il m'a tenu par la main, j'ai quitté mon corps. Je me suis retrouvé deux Moubertrans, un allongé, un debout. La seule différence, celui qui était allongé était vieux, c'est-à-dire comme le moi que tu vois là, et l'autre qui était debout était devenu plus jeune, c'est-à-dire à peu près dans l'âge de 20 ans, 21 ans, quand j'étais jeune. Et il m'a dit, tu vois ce que vous appelez la mort, c'est juste une séparation. Et il m'a dit, viens. Il m'a tenu. Et nous avons quitté là, nous avons commencé à monter. Arrivé à un certain endroit, il m'a dit, regarde sur la terre. Quand j'ai jeté un coup d'œil sur la terre, j'ai vu, c'est comme si on avait enlevé les toitures des maisons, mais le péché était partout. La saleté, la confusion. Et il me dit, tu vois, le péché a atteint son comble. C'est pourquoi je dois détruire la terre maintenant. Et nous sommes partis. Et nous sommes arrivés dans un endroit et il m'a dit que ici c'est la sixième dimension, ce que les gens appellent vulgairement le ciel. Et voilà, j'ai vu, je ne sais pas comment te décrire l'atmosphère qu'il y a là-bas. C'est-à-dire quand j'en parle là, je vois ça comme ça s'est passé que ce matin même ou hier. Donc là-bas, il y a que l'amour. Là-bas, les gens sont jeunes, dans les âges 18, 19, 20 ans, à peu près comme cela. J'ai vu un groupe de gens qui arrivaient. Il m'a dit que cela vient de la terre. Donc sur la terre, ils venaient de mourir. Ce sont des chrétiens qui ont cru, qui ont vécu une vie digne de l'évangile et qui sont arrivés là-bas. Et je les ai salués. Il y en a qui disent, oh, pasteur, pasteur. Donc ils me reconnaissaient dans ma fonction. Et j'ai vu comme un chantier, il y avait comme un grand bâtiment qui était là. Et il m'a dit, c'est ici que les saints vont couronner le roi. Et j'ai demandé à l'ange, est-ce que je peux voir Frère Branham? Est-ce que je peux voir Frère Coleman? Je sais, Frère Branham, je prêche le message de Frère Branham. C'est important pour moi de savoir si lui aussi il est là-bas. Et Frère Coleman, comme je vous en parlais pendant qu'on était au Gabon, c'est un prédateur américain qui croit à la révélation des sept tonnerres. Il croit le message de Frère Branham et j'aimais beaucoup ses prédications. Il est décédé en 2012. J'ai demandé s'il est là-bas. L'ange m'a dit, Frère Branham est ici. Coleman aussi est ici. Ils sont là-bas, ils m'ont montré une direction tout droit vers comme le fond de ce bâtiment que je t'explique là. Et j'ai dit, il faut que j'aille vers eux. Il m'a dit, non, tu ne peux pas arriver là-bas, sinon tu vas plus retourner sur la terre. Je lui ai dit, quoi? Tu penses que moi je vais encore retourner sur la terre? Avec les abominations que j'ai vues là-bas, le péché que j'ai vu là-bas, je suis déjà ici et tu veux que je retourne encore sur la terre? Il m'a dit, il faut que tu retournes. Voici la promesse. Il m'a montré des bâtiments. Bon, ce que nous avons sur la terre, ce ne sont que des imitations. Là-bas, c'est des vraies maisons. Je ne sais pas comment décrire ça. Il m'a dit que c'est ça que le Seigneur a dit dans la parole. Que je m'en vais vous préparer des places. Et quand je vous aurai préparé des places, je vous prendrai pour que là où je suis, que vous y soyez aussi. Il m'a dit, quand tu finiras ta tâche, il m'a montré comme un appartement. Il m'a dit que tu viendras avec ta femme et tes enfants. Tu viendras ici. Et alors, je lui ai dit, non, je ne peux pas retourner pendant qu'on se promenait dans le réel, là-bas. Il m'a donné des enseignements qui sont contenus déjà dans le livre que je vais t'envoyer.
comment vaincre Satan. Et tu sais, beaucoup de gens confondent le combat spirituel, c'est là où, je pense, ça fait 23 ans de ministère. Aujourd'hui, ma relation avec le Seigneur a beaucoup changé et je vais te montrer dans ce livre, quand tu l'auras, comment Dieu nous a donné la pleine révélation pour vaincre l'ennemi sur n'importe quel terrain de combat. Et alors, il m'a donné des enseignements, j'ai vu un tourbillon et il me dit, va, je te confie une mission apostolique, va, je te confie une mission apostolique. Et un tourbillon a ses projetés et le même tourbillon, la puissance m'a reprojeté encore sur mon corps. Voilà, je suis revenu. Quand je reviens, ma femme me dit, tu étais où? Parce que quand je parlais avec l'ange, elle écoutait toute la conversation. Elle me dit, tu étais où? J'écoutais toute la conversation et j'entendais les gens chanter. Je lui dis, chante ce cantique. Et alors, elle a chanté le cantique que nous avons chanté au début. Chaque fois, quand on chante ce cantique, je le vois ça. Je le vois cette vision. Donc, ma soeur, n'abandonne pas. Nous sommes dans une procédure d'urgence. C'est pourquoi tu vois dans l'église là où nous sommes ici. Nous avons culte tous les jours. Chaque jour, matin, soir. Et je suis engagé à amener ce message dans les villages, là où le prédicateur fouille. C'est là où je dois partir. Parce que partout, il y a des enfants de Dieu. Et les gens préfèrent maintenant aller prêcher que dans les grandes villes et tout. Mais moi, je sais que Dieu est réel. Il est vivant. Il m'a fait vivre une expérience que je n'oublierai jamais. Donc, j'ai une commission de la part de l'Éternel. Dans la prochaine vidéo, je te montrerai comment le même ange m'a pris et m'a amené dans la cinquième dimension. Tu sais, quand les saints meurent, ils vont dans la sixième dimension. Quand ceux qui ne croient pas meurent, ils vont dans la cinquième dimension. Donc, il faut... Là-bas, c'est l'enfer. Ce qu'on appelle vulgairement l'enfer, la cinquième dimension. Donc, je me battrai pour que le maximum aille dans la sixième dimension. Que les gens puissent vivre la parole, qu'ils puissent croire au Seigneur. Voilà, sœur Nina, ce petit témoignage, pour le partager avec toi, pour fortifier ta foi. Même si tu es loin de moi, il faut que tu saches que tu dois continuer à persévérer, comme moi et ta sœur, nous persévérons ici. Comme on était au Gabon, continuons le même combat. Que Dieu te bénisse.